Bonjour et bienvenue dans un run normal d'Isaac pour essayer de continuer à débloquer des choses qui sont bloquées. Pas du tout parce que j'ai grillé un daily. On va y aller avec... Non, en hard, hein, pas en grid mode, faut pas déconner. Kane, qu'un, on n'a pas fait la cathédrale et... ni Hush, ni le Polaroid, ni le truc. On a des trucs à faire. On n'a pas encore débloqué systématiquement le chest, c'est triste. Du coup, cathédrale plus négatif, c'est pas la fusion des choses que je pourrais faire en même temps, ça. Pourquoi on galère sur cette salle? Deux erreurs rapides. Et pam, on est dans la merde. Voilà. Poison, très bien. Bâton, c'est plutôt moyen. Mais c'est donc il y a pire comme item ici. On évite de remarcher dans les pics. Ça va une fois les conneries. Voilà, hop, hop. Le poison, sans être le meilleur item du monde dans les premiers étages, fait bien le boulot. Ok, toi tu me snipes pas à l'autre bout du monde là. Toi là-haut tu meurs aussi. Non, vous savez quoi? Je préfère quand même l'autre truc. Qui est potentiellement plus utile. Ok, là il y a quand même un champion. Donc on va être prudent. On va le garder loin. Idéalement, j'aurais préféré trouver un peu de vie avant le boss. On a déjà fait boss rush, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire rush derrière. Ouh, comme c'est pas passé loin. Et que j'ai eu de la chance que le machin il s'arrête à un moment pour une raison qui m'échappe totalement. On est mieux là. Ouh. Donc c'est vrai qu'en fait on y pense, il y a la cathédrale. Je vais essayer de faire la cathédrale. Juste hocher la cathédrale, ça me semble envisageable. Je sais plus où on en est, ça fait un moment que j'ai pas joué en, sur ce fichier. Je sais plus si on a débloqué le Polaroid en permanence ou pas. Parce que si c'est pas le cas, du coup, il n'y aura pas de cathédrale. On verra bien. Déjà, on va juste essayer de passer cet étage. Le premier. C'est un peu ridicule, mais on en est là. Après, on a eu deux items. Enfin, on a eu un item. C'est pas transcendant, mais bon. Faut bien commencer quelque part. De la vie et des dégâts. C'est très bien. 2 minutes 20. Pas très bon pour le chrono, mais comme on vise pas forcément boss rush, ça nous laisse un peu de marge de manœuvre. Oula, oulala, oulala. Le poison, le poison, le poison. Le poison et les dégâts dans la tronche. J'aurais bien aimé que l'autre à gauche il meure. Voilà. C'est bien ça. Mourir quand on te le demande. C'est très bien. Ok. Il fait rouge ici. Fantastique. Ah, vous savez quoi? Hop 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 hop. Vous savez quoi? V2. Bon. C'est pas si mal. Ok. Et le poison, putain ça. Je me souvenais pas qu'il était aussi efficace que ça le poison, c'est bizarre. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Aucun danger. Aérofante, très bien. Ok, le run commence doucement. A commencé doucement, mais là. Peut-être que, enfin. C'est Freeze Effect ou l'œil dans le dos? Ça, je crois que c'est l'œil dans le dos. Ouais, c'est l'œil dans le dos. Freeze Effect, c'est bien. L'œil dans le dos, c'est. C'est différent. Mais je me suis écarté avec des réflexes dignes d'un paresseux. Oh là là. Je le vois bien, je le sais, mais bon, c'est énervant quand même, quoi. On a 0 centime, donc le magasin 9. Vous savez quoi? Voilà. Pas forcément le meilleur usage d'une bombe, mais j'avoue que là, c'était quand même pas mal. On a eu plein de mobs d'un coup.
Et on a gagné beaucoup, beaucoup de temps. Yeah. Toujours pas d'intérêt à aller dans le magasin, donc on va pas le faire. Voilà, et voilà. Oh, oh, oh. J'ai failli avancer dans les pics. Comme toujours. Et là, bon, on va parler de l'autre côté, bien sûr, parce qu'il faut bien faire chier le joueur. Alors, Hunt, est-ce qu'on a besoin de craquer notre... Oh, putain. Il m'a un peu coincé dans le coin, cet enfoiré. Donc, est-ce qu'on a besoin de craquer The Devil? Je ne pense pas. On va juste attendre qu'il balance de la brimstone. Et éviter de se la prendre. Voilà, il va mourir. Tout va bien. Pentagramme plus deal avec... la merde. Passons. Ce n'était pas le meilleur item du jeu. C'était pas le meilleur item. D'accord. Moi, j'aime bien les salles faciles. Ouais. Hop là. Oh. Et ça s'est passé tout en douceur. Poison. Portail, 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 portail. Au pif. Parfait. Putain, vous savez quoi? Shopkeeper. Ça vaut toujours le coup. Au moins le premier pour augmenter les deals. Les chances de deal, pardon. Ok, donc là par contre, si ça meurt pas très vite. Voilà, c'est bon, le poison. Je sais vraiment plus si le poison c'est un pourcentage de nos dégâts ou si c'est fixe. Mais ça a l'air vachement sympa. Strength. J'ai gardé Strength plutôt que l'autre, que The Devil. Ou on presse. Vous savez quoi, on va les cramer dans des salles. Où il y a du combat. En fait, Strength donne un cœur rouge de plus et ça peut être utile pour choper un deal gratuitement en fait. Tout simplement. Curieux comme disposition, et pourtant. Donc voilà, comme c'est utile pour choper un deal de plus, ben... On va faire comme si on cramait les autres partout. Genre là, voilà, hop. Toi, tu meurs, toi, tu meurs aussi. Et la petite mouche noire au milieu, si elle voulait bien. Mais sérieusement... oh, ça c'est freeze effect. Effectivement, visuellement, c'est pas le même. Je m'en rends bien compte maintenant. Freeze effect, il y a de la magie. L'œil dans le dos, c'est juste un œil. Faudra peut-être que je le retienne un jour. Ok, donc là, le seul que je vise ne saute pas, sort de bien faire chier. Freeze effect. Ça commence. On a pas de sous, pas assez en tout cas pour prendre PhD, c'est dommage parce que c'est pas un mauvais item. En même temps on s'en fout. Je veux dire, PhD c'est bien pour avoir des bonnes pilules, mais j'ai l'impression qu'on a un bon run. On a pas besoin de s'embêter avec ce genre de détails. J'espère juste ne pas regretter ses paroles dans quelques instants. Mais... on verra bien. Olé. On a eu l'item room, le magasin, bah on y va. Hein. Pestilence. Qui m'a honteusement cramé un run tout à l'heure en version champion. Le daily run. En même temps, le run est... il y avait d'autres trucs. J'ai bien merdé avant. Sinon il aurait pas pu me tuer. Mais... si tu es bien merdu, tu es bien merdu. Sérieusement, on peut le toucher le machin là ou... voilà, hop, et on y va. Pas fantastique pour l'instant, mais ça passe. Trop de cœurs rouges, c'est triste. Oh, 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 oh. Contre eux, ils sont trop rapides, j'utiliserai pas Ball of Bandage. Hein. Contre eux, non plus, parce que j'aurais probablement pas l'occasion et qu'ils les auraient tués avant, mais... ça aurait pu.
fumeur, oui. Et zo. C'était pas glorieux. Hein. Oh, peut-être une machine à... Oui, bien ça. Du pognon et de la chance en plus. Ça, c'est nul. Et merci. Non, 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 c'est nul, on a dit. Merci. Donc, plein de pognon, ce qui est pas l'essentiel, et surtout la possibilité de faire la salle de combat, ce qui est bien. Peut-être. Ou bien, oui, oui, oui. Non, c'est de la merde. Ça aurait pu. Ça aurait pu être bien. Le creep. Ouais, j'essaye d'abuser un peu de Ball of Bandage sur lui parce qu'il est... il a tellement de vie, on fait tellement pas énormément de dégâts. Qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour accélérer les choses. Voilà. C'était un bon pipe. Non, putain. Ouais, ok, laisse tomber. Je me suis un peu mis dedans, mais le jeu m'a pas aidé quand même. Ma vie, putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ouh là là, j'ai vraiment pas fait gaffe. Fort heureusement, il y en a un peu par là. Un peu. Et on a une malédiction. Un peu plus. Bien. On va pas mourir tout de suite. Très bien. Toi, par contre, tu vas mourir tout de suite. Pas d'item actif. Ça... C'est vrai que ça ferait pas de mal d'en avoir un. Hop. Ouh, la grosse mouche. Ça, c'était de la grosse bébête. Non, non, toujours pas. Non. Je préfère mon truc utile. C'est gratuit. Ok, il y a un mini portail. Il y a un petit portail tout mignon. Mais dangereux. Donc, voilà. Ok. Le champion, il a explosé, on récupère de la vie, on bute des gens, tout va bien. J'ai l'impression que le freeze effect marche aussi avec le doigt. C'est très bizarre. Si c'est le cas, ça m'arrange. Après, le doigt, techniquement, il marche comme un laser, donc il pourrait proc l'effet. Oh. Nope, nope, nope. D'accord. Ouais, ok, le laser, le doigt marche comme un laser pour de vrai. Et pour tous les effets, c'est-à-dire qu'on a aussi le freeze effect qui marche à distance. Genre, tu montres à quelqu'un du doigt, il ne peut plus bouger. C'est rigolo. Regardez-moi ça. On va juste essayer sur lui, voilà. Et ça l'empoisonne aussi, parce qu'on a aussi Poison Tears. Le doigt est vachement plus efficace que ce que je pensais du coup, parce qu'en fait il fait pas énormément de dégâts. Il fait pas énormément de dégâts, mais s'il proc les effets qu'on a, ça peut être pratique. Et voilà. Ok, donc c'est pas ici qu'on va dépenser notre pognon. Idéalement je pourrais aller donner du pognon dans la machine à donation, mais... On verra si on a une au prochain étage. Et pas un autre super grid, ce qui est plus probable. Mais bon. Ok, on a fait les deux trucs. Cave 2, 12, bientôt 13 minutes. On peut avancer, on peut tenter peut-être une salle secrète ici, mais j'y crois pas trop. Parce que j'ai pas regardé du tout de l'autre côté ce qu'il y avait. Allez, soyons fous. Perdu. Chub. Et non pas Chub Niggurat. C'est pas le même, c'est Chub. Si tu pouvais juste mourir. On va lui faire une petite passe de Ball of Bandage aussi, hein, voilà. Histoire de dire. Pas de deal. Ça fait deux fois, on était à 75%. C'est pas très cool de la part du jeu. Pourquoi pas. Depswan, oh là. Yeah. Ça figeait en l'air les trucs quoi. Explosion. On a. Putain, il aurait pu explosionner plus
explosé plus près quand même du coffre, ça m'aurait arrangé. Voilà, voilà. Et non, tu refiges. Putain, il a été figé tellement longtemps qu'il a refigé quoi. D'accord, ok, je suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais j'accepte. Alors, on a 100% de chance de deal et on a pas de cœur gris. Combinaison qui ne m'arrange pas, mais on va tenter quand même. Guiche. Guiche ne devrait pas nous toucher. Si je suis un tout petit peu réveillé, Guiche ne pourra pas nous toucher. Je veux dire, il n'y a aucune chance. Donc, c'est normalement, c'est tout cuit. Bien sûr, je suis pas à l'abri de faire une grosse connerie, mais quand même. Voilà. Là, il devrait bientôt mourir. Merci. Bon, Little Guiche, on va pas le prendre, c'est pourri. Angel Room. Ah. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé péter les deux statues d'ange pour voir si je pouvais avoir la clé. Mais c'est pas cool. Et j'ai débloqué un horseman. Ok. Et là, ça va se refermer tout de suite. Ah putain. J'aurais dû penser à choper une bombe avant de venir et j'ai complètement oublié. En fait, il aurait fallu deux bombes même. C'est pas grave. Bon, après, de toute façon, je suis même pas sûr que méga... qu'on ait le moyen d'accéder à Mega Satan. Donc. Voilà quoi, mais bon, ça aurait été l'occasion de tester et de buter les anges. Parce que je suis presque sûr qu'il faut qu'on en bute pour différentes choses, différents challenges et tout ça quoi, de toute façon. Oui, je compte le tuer que au laser. Deux bombes, génial, un peu tard. Voilà, magnifique. Magnifique aussi. Presque magnifique. Il a eu le temps de tirer dans le vide, certes. Bad trip, mauvais. Avec un Silver plutôt bon. On est à bientôt 16 minutes. On a fini le. On a tué le boss de Depth One. On peut se permettre de se balader un peu. Et voilà. Oh, oh. Fantastique. 3 bombes, c'est con, là on aura accès au. Au deal, ce serait à l'Angel Room, ce serait idéal. Mais on n'a pas accès. Oh, bah, 5 bombes, ok, d'accord. Le jeu il se sent plus là. Du pognon, en veux-tu, en voilà. Avec un peu de chance, on... faut pas qu'on crève. Avec un peu de chance, on pourra. Balancer tout ça dans une salle du. Dans une machine à sous et ça, ça sera pas mal. Bah du coup on va faire ça. Bien. On va prendre ça sans mourir. On va aller voir la dernière salle qui reste. Sait-on jamais. Les deux dernières salles qui restent, pardon. J'avais mal vu. Les trop de dernières salles qui restent, pardon. Nope. The Moon, non, on s'en fout. dix-sept minutes, ouais, on va probablement rater Boss Rush. Hein. Et j'aimerais vraiment voir si je peux tomber. Déjà, j'avais pas trouvé l'item room, pardon. J'avais oublié. Et j'aimerais voir si je peux tomber sur une salle qui me TP sur l'Angel Room en fait. Ce serait bien. J'y crois pas trop parce que le mieux ce serait une salle du sacrifice, on a plus de vie, mais. Mais bon. On peut toujours essayer. Hein. Voilà. The Moon, toujours. Toujours pas. Il y a la Cursed Room qu'on peut pas vraiment jouer. À moins de trouver beaucoup de vie. Ça fera l'affaire. J'aurais peut-être dû pas le faire maintenant dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, j'aurais dû aller dans la Cursed Room avant d'activer The Sun, mais bon.
s'en fout un peu à ce stade. Donc on va trouver l'autre salle secrète parce que c'est gratuit. Voilà, bien. Et tant pis pour les deux anges, de toute façon, comme je disais, je suis pas sûr que... Non, ça c'est chiant. Je suis pas sûr que de toute façon on puisse activer Méga Satan. Ça fait trop longtemps que j'ai plus pris ce fichier, je sais plus où il en est. Et on peut pas entrer là, super. Et on va attendre un peu. On peut y entrer maintenant. Bon, c'est un peu risqué, mais ça devrait aller. Je peux savoir pourquoi mes mouches elles sont pas attaquées tout de suite. C'était très bizarre. Oh. Ouais, merci. Belle bandage. Oula. Il y a un shoot dans le micro. Ce n'est pas pratique. Nope. Je vais pas trop m'approcher des fois qu'il refasse des explosions, mais... On va bien lui expliquer qu'il doit crever. Tout ça pour ça. Tout, 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 tout. Voilà. On va vite, hein, mais pas assez vite pour boss rush, je pense. On a les trucs acides, c'est vrai. J'avais totalement oublié. Donc on peut se permettre de faire des trucs. On presse. Ah, c'est moins bien que Strinx. Donc ouais, on a des larmes acides de temps en temps. C'est très pratique. Il était ouvert là, sérieusement? Allez, soyons fous. Ça n'a pas ruiné le run. Pas beau ça? C'est risqué comme choix. Mais... Justice. Voilà, allez, si on trouve le boss, on y va tout de suite, mais j'y crois pas trop. Voilà, 5 secondes. On a eu l'item room. Ce serait bien d'aller faire un saut dans le magasin à ce stade, en fait. Parce qu'on est quand même à genre 90 centimes, 93. Et qu'un coup dans le magasin, ça pourrait être des donations pour la machine à high donation. Et j'ai failli me prendre un coup gratuit. Donc des donations pour la machine à donation et surtout... On peut avoir un cœur à la place, ouais. Bon, ok. Non. On peut pas. Bref, donation et item. Voilà. Allez, paye. Paye plus. Très bien. Et bien. Bien, bien, bien. Je sais toujours pas où est le magasin, mais... Oh, bordel. C'est pas une salle cool, ça. Ça vient de nous griller nos chances de deal, et j'aime pas ça. En même temps, lui, super vite. Pourquoi est-ce qu'on a lui, d'ailleurs, dans une salle normale? C'est assez bizarre. Il me semble qu'on devrait pas trop avoir ce genre de mob ici, mais bon. C'est peut-être que moi. Ok, on va pas se brûler toute la vie pour du pognon. Ok, en fait j'ai la carte et le magasin est en bas, donc je me suis fait bien chier pour rien. Je suis juste venu là prendre un coup gratuitement, quoi. D'accord. Non, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas à l'abri de choper une petite brimstone. Ça serait pas de refus. Les trucs ils se mettent à tous cracher en même temps quoi. Toi tu vas exploser pour les besoins de l'enquête. Putain, on a 14% de chance de vivre, c'est ridicule. C'est très très dommage parce que du coup on a peu de chance d'en avoir un forcément. Je vous apprends rien, 14% c'est bas. Ça veut pas dire zéro, hein, mais bon. Un peu quand même. Super.
Alors, on va prendre ça. C'était nul. On va reprendre ça, on va péter ça et on va buter l'ange. Ange rouge, petite salle. Danger, danger, danger. Danger, 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 danger. Ça m'a pas touché. La léprosie m'a sauvé, quoi. Je crois pas que ce soit Ball of Bandage qui était sur le chemin, là. Toucher, putain, petite salle, ange rouge, petite salle, ange rouge. Très dangereux, très très dangereux, très très dangereux. Très 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 très, très chiant et dangereux et chiant et dangereux. Et mort. On a les pièces de clé. Donc on verra si ce que ça donne. Trunks, Tower et Emperor. Aucun intérêt tout ça. Voilà. On a des bombes, on va pas se faire chier. Ok, je... Ah oui, c'est vrai que je peux pointer du doigt. Godhead. Bon, bah du coup, c'est bien aussi. Mom. Allez, on meurt. Elle est où ma balle de bandage? Elle est là. On pourrait avoir Mom qui attaque des fois ou... Elle doit être figée de temps en temps. Et du coup, elle peut pas attaquer. Ça rend le combat un peu plus long pour rien. Allez. Ok, elle attaque jamais, donc c'est cool. On a que le négatif. Donc du coup, on va essayer de se choper Hush quand même, histoire de pas être venu pour rien. Peut-être Méga Satan aussi. C'est pas exclu. D'ailleurs, peut-être même que Méga Satan, hein, selon comment ça évolue. Ok, ok. Pap, 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 pap. Ok, je l'ai bien raté, sauf qu'il est empoisonné, il peut mourir. Mange bien le poison sur les hosts. Très très bien. Tac 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 tac. On va pas se faire mal hein, ce serait dommage. Putain, on peut empoisonner à distance, c'est vrai quoi. C'est balèze. Regarde, ah, empoisonné, tout le monde. Toi figé même, tellement t'es empoisonné. Je savais vraiment pas que le doigt faisait ça et ça le rend beaucoup beau. Déjà que c'était pas un mauvais item. Et ça le rend beaucoup beaucoup plus utile quoi. Parce que clairement, si tu peux te permettre de faire d'avoir tous les effets sur les ennemis qui proc à distance, bah tu rentres, tu balayes la salle, déjà tu t'es un peu calmé tout le monde quoi. Regardez, hop 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 hop, poison, 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 poison. Voilà. Surtout si en plus le poison fait des effets assez violents. Enfin, fait beaucoup de dégâts quoi. Ouh la mauvaise idée. On est dans la merde. Si je sors là, je... Bah non, je perds pas mes chances de deal, je m'en fous, j'ai... J'ai Godhead. Et puis de toute façon, il y a une salle secrète sur le côté. Donne-moi un truc, toi. Allez. Voilà, hein. Pas me faire chier. Oh. Forget me now. Vous savez quoi? On va finir l'étage, on va voir ce qu'il y a dans le deal. Et on va peut-être faire le Forget Me Now qui va nous donner un autre deal. Forcément. Ok, ça c'est un coffre avec des pics, on s'en fout. Tout le monde est mort, c'est bien. Il n'y a rien de spécial à trouver dans ces étages, hein, c'est pour ça que j'avance un peu vite. Hein. Toc. Le seul problème de ma stratégie, c'est que je perdrai le... comment ça s'appelle, Tamiz Head. Parce que Forget Me Now c'est l'item actif, mais... Ah, je m'en remettrai. Non mais les faux c'est chiant. En fait. Non, c'est chiant, on a dit, c'est chiant, donc tu arrêtes. Tu ne fais plus de faux, voilà. Faux et usage de faux, humour. Voilà, et tu meurs dans un coin, comme du caca d'animal sauvage. Oh, alors déjà, choix intéressant, on va prendre ça, parce que c'est... Quand même, hein, on prend les bons items, hein, du coup. L'ange blanc dans une grande salle, bah vous voyez, l'ange rouge dans la petite salle, c'est un peu stressant. Hein. L'ange blanc dans une grande salle, Bon, oh, il faut l'esquiver. Ça va. Et on a débloqué Dadski, et on a débloqué le challenge 19. Et on a débloqué ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais on l'a débloqué.
C'est plutôt pas mal tout ça. Alors ça vaut pas un deal with the devil, mais en fait si, parce que là, pour peu que la salle existe, on va pouvoir affronter Mega Satan, donc il nous faudrait un run un peu plus craqué. Pour ça, il nous faudrait un peu plus de deal with the devil. Et pour ça, on se fait un étage de plus. Cadeau. Bon, on perd notre item actif, mais ça, c'était prévu. Alors, ce que je fais là, ça marche essentiellement parce qu'on a got head. Hein. Sinon, il y avait peu de chances que sur l'étage en plus, on ait un deal with the devil. Donc. Mais on a got head. Donc, ouais, on va supposer qu'il n'y a pas de salle secrète ici. Faut que j'arrête de faire ça parce qu'on perd la vie relativement vite dans ces étages-là. Et c'est pas cool. Toi. Voilà. Oui, les tirs acides ouvrent les rochers. Très pratique. Ah ouais, ok, il est figé. Eh ben on va le tuer. J'ai l'impression que son tir est quand même parti de là où il était pas, mais bon. Écoutez, hein. On n'est pas là pour dire du mal. Ok. Je suis pas d'accord avec le fait que j'ai réussi à le toucher, mais comme ça m'arrange, on va fermer les yeux. Je veux dire, concrètement, ça m'arrange, donc. Hein, j'aurais cru qu'il y aurait un truc, là. Allez. Eh ben non, il n'y avait pas un truc. Oh. Nya, je suis assez dans le coin. On va quand même... Ah oui, je suis sorti juste pour m'en prendre une, en fait. Ok, d'accord. J'allais dire, on va quand même tenter l'autre salle secrète, histoire de dire. Qui est peut-être ici. Elle est là. L'instinct sauvage. Et c'est de la merde. Bon, vous savez quoi, on va pas prendre trop de risques. Putain, on peut faire rush, putain, vite. Ah bah non, on peut pas, je suis con, on est pas au bon étage. Donc non, on fera pas rush. Les blastocystes qui sautent en boucle, c'est pas chiant. Mais en fait, si. Alors, ouch. Donc non, on pourra pas faire rush, par contre, on fera peut-être Mega Satan. Putain, mais sérieusement, 3 blastocystes, c'est le chiantitude. Il en reste encore un gros qui peut sauter loin. Et je crois qu'il reste toujours un gros parce qu'il veut pas mourir. Voilà. Ouais non, l'étage en plus. Ah oui, on a refait un étage. Je suis con, j'avais oublié. J'aurais pas fait Forget Me Now, on aurait probablement pu faire... Enfin, on aurait peut-être pu faire Hush. Mais j'ai fait Forget Me Now, donc on peut pas. Ok, on a 16 clés, on peut effectivement se débarrasser de notre truc. Non, batterie, c'est exactement l'inverse de ce qu'il me faut. Donne-moi un item, toi. Donne-moi un item. Bien. Bien aussi. Est-ce qu'on... Ah, attendez. Voilà. Connaître le jeu. Bad trip, si tu as moins d'un... Enfin, si elle te tuerait, elle devient une full health. Parce qu'une pilule, normalement, ne peut pas te tuer directement. En tant que joueur, ce qui est plutôt cool. Ah, il aurait pu payer, ce connard. On va voir si ça, ça paye. On a 94 centimes. 93. Donne-moi un peu plus de vie. Ça marche aussi. On pourra avoir de la vie, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas génial, ça. Mais Z-Frame ! Non ! Bon, on a débloqué des choses. On a débloqué la plume pourrie, Dead Ski et un challenge. Et je pense que l'on peut s'en féliciter.
je me suis peut-être suicidé par accident. Ça arrive. Mais on a débloqué des choses. Et on parlera plus jamais de ce run. Voilà.